honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour vont porter sur deux points ci-après. 1. Poursuite de la validation du pouvoir par la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de vérification des mandats des 16 nouveaux sénateurs de 4 provinces. La plénière de la Chambre haute du Parlement a procédé samedi 8 juin à la validation des 16 nouveaux sénateurs et la mise en place de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la 4e législature. Les honorables sénateurs présents ont adopté à l'unanimité les rapports de la commission chargée de vérifier la conformité des dossiers des 16 nouveaux sénateurs élus le 26 mai à l'occasion des élections sénatoriales organisées par la CENI dans les 4 provinces dont le Nord Kivu, l'Équateur, l'Ituri et le Maïndombe. Quelques sénateurs ont réagi à cet effet. Nous sommes maintenant validés. Nous avons un mandat de 5 ans que nous devons exercer pleinement. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail parce que nous avons beaucoup de choses à apporter à ce Sénat. C'est une législature de maturité. Nous sommes, comme vous l'avez dit vous-même, à la 4e législature. Ça fait maintenant 3 cycles sénatoriaux, je dois m'exprimer ainsi, qui auraient existé. Je crois qu'on est à une étape de maturité. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire. Et bientôt, nous allons adopter les règlements intérieurs. Ça nous permettra de pouvoir formuler des propositions qui permettront à ce Sénat de fonctionner de manière encore beaucoup plus efficace que par le passé. En ce qui me concerne personnellement, j'ai quelques propositions de loi que je pourrais formuler au cours de cette législature. Mais également, il y a des initiatives de contrôle parlementaire que je ne m'empêcherai pas de pouvoir prendre. Mais écoute, déjà, j'ai eu l'occasion de rappeler que le Sénat, c'est l'occasion d'apprendre. Ça, je le répète ici. Et lorsqu'on apprend, c'est pour l'intérêt des autres. Maintenant que le mandat est validé, mon travail est parlementaire. Il faut absolument représenter valablement les provinces pour l'ensemble du pays, mais également la province du Sankuru, dont je suis originaire. J'ai été élu, vous savez, en tant que sénateur. Ma circonscription électorale, c'est d'abord et avant tout l'ensemble de la province du Sankuru. Je ne saurais pas vous dire que je suis la personne la mieux indiquée pour connaître effectivement de quoi souffre ma province. Parce que cette province, je le dis, ça manque tout. Vous avez des problèmes liés aux infrastructures, donc il n'y a pas d'infrastructure au Sankuru. Ça, c'est d'abord la priorité des priorités. Le Sénat, ici, c'est qu'à travers cette institution, je pense que les oreilles de toutes les autorités périodes seront attentives pour qu'en urgence, le Sankuru ait un fonds spécial pour sa construction. Notez que les mandats de ces sénateurs ont été validés conformément à l'article 228 de la loi électorale en vigueur.